Salut tout le monde, c'est Barry et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Skyrim. Alors, on doit sortir d'ici, donc on va y aller. Hop, parce qu'il y a Ancano qui a fait, qui veut prendre le pouvoir, hein, qui se prend pour encore une fois le maître du monde, tout ça. Bon, vous connaissez le truc. Que s'est-il passé? Vous allez bien? Que s'est-il passé? C'est Ancano, il a fait quelque chose à l'œil. Par les neufs. Est-il responsable de tout cela? De la mort de l'archimage? Et ce n'est pas tout. Il s'est passé quelque chose à Fort Divers. C'est sûrement à cause de lui aussi. Vous devez aller vérifier que tout va bien. Ok. Il n'y a pas une seconde à perdre. Je vais aller chercher Mirabelle. Nous ça vaut sa reine. Tous, je vous prie. Je peux pas le fouiller. Je vous en prie. Assurez-vous que Fort Divers soit en sécurité. Bon ben on va à Fort Divers, hein, on va défendre le village contre les ennemis. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu un problème et Fort Divers est peut-être en danger. Vous pouvez m'aider? Bon, ne risque rien là. Mais j'exigerai des explications quand tout sera terminé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pas le temps. Nous vous accompagnons, mais j'exigerai des explications quand tout sera terminé. Pas de souci, je vous expliquerai. Je suis pas du genre à demander aux gens de me suivre sans réfléchir, sans raison. Oh punaise. Hop, ils se ramènent tous. Hein. C'est quoi cette anomalie magique? Mais... comment je suis censé combattre ces trucs? Ils arrêtent pas de bouger. Oh putain. Je sais pas si j'arrive à les toucher ou pas parce que putain c'est compliqué. Hein. Ah bah punaise. T'as l'autre, il y va avec les points quoi. Deux. Ah, attendez, j'ai peut-être une idée. Parchemin de paralysie. Voilà. Bah alors. Éclair multiple, on va essayer ça. Ça n'a rien paralysé du tout. Chaîne spirituelle inférieure contient mineur âme. Ordinaire, commune âme. Et Ça, c'est pas pratique, hein. Ça y est, c'est bon. Je crois que j'en ai eu un. Ben, je sers à rien avec moi. Avec mon arc. Bon, attendez. Ah,
Gemme spirituelle ordinaire. C'est bon? C'est bon, normalement. Cool. Bon allez, on va retourner à l'académie. Vous voulez pas des explications là? Voilà qui risque fort de nuire à notre image. Alors il y a une quête pour Arniel qui nous permet d'invoquer un monstre. Enfin un monstre, faire une invocation, quoi, apparemment un truc bien balèze, mais le blème c'est que la quête est buggée. Donc j'ai pas trop envie de la tenter en fait. Ensuite je vais aller faire le labyrinthe pour trouver le bâton de Magnus. Et ensuite ce sera l'œil de Magnus et normalement on en aura fini. Vous me voyez? Mais sûr que je le peux. Bon sang, j'étais sûr d'être invisible. Ou du moins transparent. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Ainsi, vous souhaitez maîtriser les arts des arcanes. Bâton de courage. Magie plus 40 points. Magie, ouais. T'as pas conjuration? Livre. Viens voir un petit peu. Non, y a rien. Magistral. Ah ouais, ça je te les prends. Bon, attendez. J'espère que ce n'est pas quelque chose que j'ai fait. J'espère que ce n'est pas quelque chose que j'ai fait. Il veut pas me parler, tant pis. J'avais lu un truc, je crois qu'il pouvait m'enseigner je sais pas quoi. Alors, on va aller voir Mirabelle. Voilà. Eh bien, tout Fort d'hiver est en sécurité pour le moment. J'aimerais pouvoir en dire autant pour nous. Tolfdir et moi pouvons essayer de le contenir. Mais vous devez mettre la main sur le bâton de Magnus. Et vite. Alors je file au labyrinthe. Vous croyez? Ça ne peut pas être une coïncidence. Je ne comprends pas quelle coïncidence. Savos, avant sa mort, il m'a donné quelque chose il y a quelque temps. Il m'a dit que ça venait du labyrinthe et que je saurais quoi en faire quand l'heure serait venue. Je pense qu'il voulait que je vous le donne. J'ignore pourquoi, mais ça semblait vraiment lui tenir à cœur. Je pense que vous devriez aussi prendre cette amulette. Elle appartenait à Savos, mais je crois qu'elle vous ferait le plus grand bien à présent. Prenez-le et partez d'ici. Rapportez ce torque du labyrinthe, amulette de Savos, ça règne. Voyons voir un peu ça. Alors attendez. Magie plus 50 points. Moins 3 au coup de lancement des sorts. Bon, on va prendre ça. Y a pas photo. Et il y avait quoi d'autre? Il m'a donné un autre truc, je sais plus quoi. Ah, toc du labyrinthe. Bon, ça doit être pour ouvrir le portail, j'imagine. Les services d'enchantement sont l'une des nouveaux... Les services d'enchantement de rester en contact avec la pouvez-vous m'enseigner la magie d'enchantement? Vous ne pouviez pas mieux tomber. Eh ben vas-y. Je serais ravi de vous enseigner ce que je sais. Parfait. Ça m'a fait gagner de l'XP. À la prochaine fois. Bon, où se trouve ce labyrinthe? Oh putain, il est loin. Ah, c'est pas loin de Mortal. On va retourner à Mortal. Ah, peut-être que je vais tomber sur... je sais plus comment il s'appelle, là, Filon. Et pouvoir lui demander de m'enseigner la magie de conjuration. Vous avez entendu la nouvelle, cherche toujours des guerriers forts et habiles. Qu'est-ce que... Comment peut-on rejoindre la Légion Impériale? Vous pensez en avoir le courage? La Légion a besoin de tous les renforts possibles. Si votre décision est prise, rejoignez nos quartiers de Mornefort à Solitude. Ok. Et adressez-vous aux Légats Rick. Elle s'occupe du recrutement. Parfait. Parce que oui, je compte les rejoindre. Non. Des ennuis? Non, du tout. Tout va bien. Madame. Jorgen et moi travaillons vraiment dur, sans arrêt.
J'ai peu de clients, ce qui me laisse le temps de faire des expériences. Alors attendez, je vais hop. Hey, c'est pas... Oh non, c'est pas ce que je voulais faire. Comment osez-vous? Je suis désolé. Putain de merde, si jamais elle... Si jamais elle le dit, je suis mal. Mais ouais, mais qu'est-ce que t'as besoin de voler un truc comme ça? C'est un peu chiant, le... Je voulais pas voler sa farine d'os, une farine d'os en plus. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Bon, il est où l'autre, là? Je vais le trouver, puis je vais lui demander de me faire les tours de magie. Oui. Brutus. Oui. Pêche, Brutus. Hein? Mais combien de temps étudiez-vous l'alchimie? Je souhaiterais une formation en alchimie. Je pense pouvoir vous enseigner une chose ou deux. Ah bah c'est bon. Je t'étouffe. À la prochaine. Il est où, Filon? Il a le bon Filon. Hutte du thaumaturge. Ah mais d'accord. Il est où? Bah il est pas là. Bon bah tant pis. Encore là? Non. Alors allons-y. Bon allez, on va au labyrinthe, hein, tant pis pour... Tant pis pour Filon. Alors, c'est par là. Pensez à surveiller le ciel. Une fois qu'on aura fini avec l'académie de Fort d'Hiver, on va faire le connard ça les compagnons. Parce que j'ai regardé la Solus, vu que je me souviens plus trop bien du jeu, c'est pour ça que je dis que je vais peut-être pas faire la quête d'Arniel, mais je pense que je vais la faire. Finalement, parce que c'est vrai que j'ai une version... au goût du jour, remise au goût du jour du jeu, donc peut-être qu'ils ont corrigé le bug, je sais pas. Attendez, il y a un truc là-bas, j'ai vu bouger. Ouais, c'est bon, c'est quoi? Ah, c'est un cerf, ok. Ah, c'est un cerf, on dirait un caribou en fait. Ah, ça me rappelle le jeu Zoo Tycoon. J'avais le 1 et le 2. Qu'est-ce que je passais du temps sur ces jeux? Oh, ah, c'était génial. Moi, j'adorais. Ça faisait rire certains membres de ma famille parce qu'ils jouaient à des jeux de guerre et tout, quoi. Moi aussi, j'y jouais. Ça me faisait plaisir. Mais m'occuper des animaux, j'aimais bien aussi. Après, je dis ça, c'était pas méchant de leur part, hein. Ça les faisait juste marrer. Ouh, ouh. Merde. Ah ouais, je lui fais masse de dégâts là. Ah ouais, j'ai évolué. Graisse de troll. J'ai pas vu ce que ça faisait. Bon, pas grave. Là-bas, il y a un dragon de glace. Quoi? Attendez. Comment je fais? Ouais, par là? Ouais. Je vais pas l'affronter maintenant parce que j'ai pas envie de m'emmerder avec les os de dragon et tout, là, c'est... En plus, ça pèse énormément. Ça fait beaucoup de dégâts, mais ça pèse. Donc, finalement, je sais pas si je vais les prendre, les os de dragon. Arrive. Attendez un peu. Sinon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, des petits let's play comme ça de 30 minutes? Vous préférez ça ou des trucs de 1 heure? Parce que moi, j'avoue, 1 heure, faire des épisodes assez longs. Ah non, ça m'arrangerait pas vraiment en fait. Parce qu'après, pour le montage et tout, laisse tomber quoi. Labyrinthe, cool. Putain, je suis passé par je sais pas où.
je suis sûr que j'ai pris un chemin que personne n'a jamais pris. Je suis passé en mode... En mode what the fuck. Ah! Qui est-ce? Ça vaut sa reine, tiens donc. Et il veut pas me parler, il veut pas communiquer avec moi. Peut-être qu'il fallait venir ailleurs, je sais pas, attendez. Je vais essayer. Allez, nous y sommes enfin. Ne perdons pas plus de temps. Est-ce vraiment une bonne idée? On sera de retour à l'académie avant qu'on remarque notre présence. Ah ouais, d'accord, c'est leur fantôme. Vu que vous avez la faveur de l'archimage. Prends la lumière. Afnar, point de glace. Atma. Entrons. Voyons ce que vous trouvez. Ouais, donc en fait, on va les suivre et au final, il y en a plein qui vont mourir. Allez, c'est parti. Trouver le bâton de Magnus. Cool. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est passé avant nous. Pénalité de vigueur, renfort de conjuration. C'est intéressant ça. Ok. Et là. Qu'avons-nous ici? Alors. Yes. Alors, je vais pas forcément écouter ce qu'ils disent, hein, parce que bon, c'est juste pour le lore, mais on s'en fout un peu. Je vais surtout avancer, puis trouver ce bâton. Coquerie. Je prépare mon sort de conjuration d'Atronach de feu. Oh merde. Oui, oui, oui. Attendez, je suis d'accord que je devais... Oh putain. Attends. Oh ce... Attends, oui, aïe, aïe. Alors attendez. Potion, renfort de conjuration. Potion de soin. Putain, il est squelettique en plus. Ah, caca, caca. Lydia, t'es où? S'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Alors, potion de magie. Bah, il me l'a pas... Pourquoi il veut pas me... Potion de magie, bah alors... Bon, je vais vaincre le dragon. Voilà. Les autres, ça va être assez simple. Non, mais pourquoi? Là, je croyais être un mage, en fait, je suis prince vent de Discworld. À me capturer. Mais ouais, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces âmes-là, sérieux, putain. Os de dragon. Non, je vais pas. Non. On verra ça une autre fois. Attendez. Ok, je vais mettre les os de dragon là-dedans, en attendant. Parce que je suis à combien, là? 316 ou à 320, laisse tomber. D'hiver. Voilà. Elle est où, Lydia? Y'a quoi là-bas? Bon.
Allez. Je vais sauvegarder parce que punaise. Il pique le dragon, mais il fait pas si mal lire, tablette gravée. Saluez tout Bromjlunar, la fière cité. Ses murs résisteront toute l'éternité, puisse tous ses ennemis la contempler et trembler de peur devant sa majesté. Ok. Nous en sommes à peine sortis vivants. Mais qu'est-ce que c'était que ça ? Or, potion de magie légère. Ah bon. C'est quoi ça? Oh, putain! Je pensais que c'était juste un mec qui allait me... Comment dire, juste une âme quoi, qui allait me parler. Je m'attendais pas à ce qu'il m'attaque. Pourquoi tant d'empressement ? À ton avis, Lydia. Bon, là, faut que je fasse le truc de feu, c'est ça ? Alors, viens voir. Ok, parfait. Mais il me pique ma magie, lui. Ah ouais. Ah ouais, lui, c'est pas pareil. Ok. Alors là, la question, c'est par où je vais? Par là? Je vais aller voir par là. Parce que par là, ça a l'air d'être le chemin principal. Moi, j'aime bien voir les chemins cachés. Il y a souvent des bonus. Dégage, salpette! Monstre de l'enfer! Ah, j'en ai vu un là. Et voilà. Farine d'os, ouais, ok. Chaîne spirituelle inférieure. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Je fais mes petites emplettes. On va voir un peu. Qu'avons-nous? Est-ce que je peux... Restauration de magie. Oui, intéressant. Bon, très bien. Mais ça, c'est quoi? Livre de sort équilibre, sang immortel, non, ça, je l'ai déjà lu. Chaîne inférieure, farine d'os. Robe de mage noir. Désenchanté. Vas-y, pourquoi pas, ouais. Objet, arc d'ébonite. Yes! Armure dorée, enchantement. Ok. Sort de conjuration coûte moins 5%, 10% plus rapide. Bah écoutez, on...
On va faire ça, hein. Objet, arc d'ébonite, enchantement. Siphon de santé. Ah ouais, c'était bien ça. Oui. Cool. Et ben voilà, maintenant je vais changer ma tenue. Armure dorée. Et ouais. Bon, très bien. Et du coup, ça, ben, je peux l'abandonner, du coup. Ça me pèse lourd, je la mets là. Dans le coffre. Et voilà. Allez, on est parti, j'enregistre. Ah, ça fait plaisir, ça, dis donc. J'ai bien fait de venir ici. Et j'ai un point en plus. Allez, la santé. Conjuration. Non, ça n'a pas bougé. L'archerie. Non, mais... Mais que... L'archerie. Est-ce que je peux faire... Non, j'ai pas assez. Là, on a quoi? Stabilité. Zoomer avec un arc consomme moitié moins de vigueur. Non, on s'en fout un peu. Garde. Non. Mais... Oh, punaise. Armure légère. Eh non. Bon, ben, j'ai dépensé des points dans l'archerie, du coup. Voilà, hop. Et le temps est ralenti. Allez. Ok. Punaise. Vous ne répondez pas. Dois-je utiliser votre langue gutturale? Mais je m'en fous de ta gueule. Que c'est là en bas. Et une ligne route, flèche de mer. C'est quoi ce passage? Là, c'est vraiment labyrinthique, hein. Il porte bien son nom, ce truc. Oula! Espadon nordique antique, argonienne. Ce serait pas le fantôme de celle qu'on a vue? Bon, j'ai plus besoin des améthystes et des rubis et des machins, parce que, comme je l'ai dit, la thune, j'en ai tout autour. Bah, il est là, maintenant. Serais-tu de retour parmi nous, mon vieil ami? C'est quoi, ce truc? Ok, ouais. Putain, j'ai des one-shot. Minerai d'or. Ça mène. Ah ouais, 53 d'or, et dis-nous. Armure impériale cloutée. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais... Il a levé son bras, là, puis il est mort en même temps. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Lui, je l'ai pas fouillé. J'ai entendu comme un bruit d'ours, non? Vu de Namira. C'est
quoi ce bordel? Ah, c'est un troll. Résistance au poison. Alors, j'ai vu un coffre là-bas. Crochet, or, potion de magie profuse, flèche elfique, 16. Flèche elfique, 16. Je sais pas si c'est les meilleures flèches que j'ai, je sais plus. Attendez, je vais regarder ça. Arme. Flèche d'Ouemer, ah ouais, non. Flèche elfique. Ah, mais j'en ai. Ah ouais, j'avais pas capté moi ça. Non! C'est... Non, d'accord, j'ai rien dit. Toutes vos tentatives sont vouées à l'échec. Charge. Ah ouais, ça c'est cool ça. Je vais garder la magie de mon arc. Et kick. Mais j'ai plus de potion de magie là déjà. Sans déconner. Ça pique. Oh. Mais qu'est-ce qu'il passe, mon copain? Partez d'où vous venez. Pauvre fou. Vous n'êtes pas reine, n'est-ce pas? Serait-ce lui qui vous envoie? Alors, où est-ce que je vais? Par là ou par là? Je vais aller par là, ça a l'air d'être un chemin pour obtenir un bonus. Ouh, ouh, ah oui, non, le bonus, c'est pas, je m'attendais pas à ça. Alors, urne. Bouclier elfique. Ok. C'est tout? Bah oui, bon. Faites attention. Mais c'est toi qui bloque le passage, Lydia, à chaque fois, là. Mais pas être méchant, meuf, mais t'es relou, des fois. J'aime bien Lydia, mais des fois, elle est relou. Comme tous les PNJ, j'ai envie de dire. Hein. Calamité des morts vivants. Mets le feu aux morts vivants. Ah ouais, vas-y. J'aimerais bien les... C'est quoi? Rémanent. Alors, qu'avons-nous ici? Ouais, là, y'a rien. Bon, y'avait rien chez eux. Alors, je vais peut-être faire mal. Ah non, c'est bon. Je pensais que j'allais me faire mal. C'est quoi ce truc? Ah, mais oui, y'en a dans... Dans Elder Scrolls Online. Quand on s'inscrit, enfin, quand on crée son perso, on a ça qui nous accompagne partout. Botte à revers en acier. Ok. C'est quoi ça? Ben, c'est un ennemi. Plus sereine. Oh
j'arrive à vaincre la Lucerne, c'est elle qui... Non ? Oui, apparemment, c'est elle qui invoquait les autres. Poussière luisante. Voile éthérée. Non. Ouais, bon. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ah bon. Ah, mais on peut fouiller dans les cercueils. Putain, je suis un profanateur. Bon. Vous a-t-il dit que votre propre pouvoir causerait votre perte ? Qu'il alimenterait mes forces ? Ah, derrière, il y en a un qui se fait tuer. Ah non. Bon, là, je suppose qu'il faut la glace. Potion de soins légers, oui. De l'or, parfait. C'est bon. Oh putain, les chiens fantômes. Qu'y a-t-il là-dessous? Évidemment, mon atronac de feu, il s'est planté là-dedans. Hein. Molos spectral, pénalité de santé, renfort de magie, restauration de magie, ça m'intéresse. Farine d'os, or... Épée de Volker absorbe 15 points de vigueur. Ah ouais. Ouvrir trappe. Non, oh, punaise. La vache, ils sont balèzes, hein. Oh putain, c'est... Ok, graisse de troll, de l'or, Francisque de Volsan, 23, c'est 25 qu'elle a, elle. Absorbe 15 points de santé. Ouais, ça pourrait lui être utile en vrai. Moins de dégâts, mais elle absorbe la santé. Je suis sur vos talons. J'ai juré de porter vos fardeaux. Alors, non. Oh putain. J'ai juré de porter vos fardeaux. Arme. Elle peut pas le porter. Je l'ai pas pris. Passez devant. Bah si. Y'a que moi qui peux le porter du coup. Bah ouais, oh merde. Bon bah écoutez, on va remettre ça à sa place. Qu'avons-nous de ici? Une urne. Anneau d'argent de grenade, je vais juste prendre l'or. Qu'avons-nous là? Arc Volseur, dégâts 34. Absorbe 15 points de magie. Ah, intéressant ça. Ouais, ça par contre je prends. Attendez, outil d'embaumement, oui mais j'ai vu le truc là. Inférieur, ça m'intéresse pas. C'était quoi qui est tombé? Ah mais il y a un drogue qui... D'accord, ok. Bon.
Ah, je crois que je suis en train de retourner en... Aïe, aïe, aïe. Ah, il aspire sa vigueur. Épée de Volker, eh ouais. Bon. On va pas traîner non plus, hein. Ok, parfait. La tribune du labyrinthe, voyons voir un peu. Voilà. Ectoplasme, restauration de magie. Livre de sort, moyenne barrière. C'est quoi que j'avais, moyenne barrière? Ah, je le savais, je la connaissais pas. Et équilibre aussi. Masse d'Oemer. Je compte pas les utiliser, c'est juste que bon, ben, comme j'ai dit, hein, ça donne de l'XP d'apprendre des sorts, donc c'est toujours cool. Oh, oh. Oh la putain. Ah ouais, ça déconne zéro ici, lingot de fer. Solution de magie accrue. Solution de puissance durable. Non mais là c'est pas moi là, hein, meuf. Oh non! Mais c'est pas ce que je voulais faire, putain! Bon, attendez. Alors elle est chiante Lydia en bloquant mes... mon passage, mais je veux pas la perdre. Piti 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 piti. Piti piti. Merde. Mais... putain. Mais crève bon sang. Voilà. Rien à foutre du panier. Putain. Attendez. Divers. Panier. Je m'en fous, moi, du panier. Je veux juste défoncer lui. Aïe, 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 aïe. Non, c'est pas ce que je... Aïe, aïe, aïe. Au secours. Ordinaire. Ordinaire, ordinaire. Ectoplasme, flèche d'Oemer, oui.
punaise. Ouh, punaise. Ouh. C'est bon, je l'ai eu. Ouf. Bon. Qu'y a-t-il là-haut? Un ennemi. Mais pourquoi il se casse? Il est un peu curieux, lui. Chapeau blanc, une restauration de magie, oui, ça m'intéresse. De l'or, des carottes. On peut pas les manger directement, là? Les morts vivants de niveau 35 et inférieur qui entrent dans le cercle fuient. Le lanceur procure 20 points de santé par seconde à l'intérieur du cercle. Marteau de verre, 26. Tiens, ça va plaire à Lydia. Non, ah non, faut pas que je sprinte. Potion de vigueur, collier d'argent de marteau elfique, 25. C'est quoi ça? Malachite brute. Bon. Alors, toi, qu'est-ce que tu as? 5 pièces d'or, ok. Et toi, il y en avait un ici. Ok. Lui, à chaque fois qu'il me parle, il me vole mon énergie. Je sens qu'il va me gonfler. Enfin, il me vole ma magie. Mon énergie. Oh là là, ça se joue au poil de cul près, là. Attention. Voilà. Tiens, bouclier en ébonite. Ah ouais. Espadon de flamme nordique antique affûté, dégâts 22. Casque d'or d'inflammabilité, valeur d'armure 21, poids. Peut-être une autre fois. Et Lydia, je sais pas où elle est. Et voilà, il m'a encore chouré ma magie. Bon, il y a un mot de dragon, aïe aïe aïe. Couché. Anch. Seigneur de Rorgue. Oh non. Aïe aïe aïe. Alors, attends. Pousse, pousse. Que j'ai mon cri de mon toum là. Je l'utilise jamais, alors que c'est super utile. Ah, il a l'air bloqué. Ah non. Lydia, où est-ce que t'es? Ok, Francisque de Volsan. Ectoplasme, ok, là qu'est-ce que nous avons? Mot de puissance appris, temps ralenti. Alors, je sens qu'il va falloir que je speed. Il va peut-être falloir que j'utilise le toum de truc là. De l'ébonite. Ah oui. J'en ai besoin pour... putain. Ah mais en plus, il y a des conjurations. Oh putain, c'est quoi ça?
Tronac de glace. Y a rien pour la tronac de glace là. C'est qui l'a invoqué? C'est lui. Tu fuis, hein? Allez, meurs, toi. Ok, ouf. Bon. Normalement, j'ai buté tout le monde. Moi, j'ai pris des lingots d'ébonite pour améliorer, enfin, raffiner mon arc d'ébonite. Ça, c'est quoi? Tas de sel, oui. Ça, c'est quoi? Poussière luisante. Ébonite raffinée. Non, bon, très bien. Qu'avons-nous là? Puissant poison persistant. Ok. Alors, je vais enregistrer parce que là, quand même, ça devient chaud. J'ai l'impression qu'on va galérer. Surtout qu'on y arrive. Voilà. Allez, fini de rigoler. Alors c'est toi qui fais chez le monde ? Moroquet. Moroquet. Oh putain ! Oh putain, c'est quoi ça ? Oh bah ça va, c'est pas si balèze que ça ces trucs là. C'est une honte. Mais c'est pas vrai, genre. Mais... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais il... Elle m'attaque? Alors, attendez. Ma potion de conjuration... de conjuration. Ce serait bien, Lydia, que tu sois là, en fait. Et il tanque un broquet, là. Ok, gagne. Mais genre... Ah, c'est sa barrière qui dévie mes flèches. Attends. Mais moi, Tronax se retourne contre moi. C'est quoi ce bordel, là? C'est lui. Ou alors sa barrière dévie mes flèches contre mon Atronach et du coup il se retourne contre moi.
potion. Non, elle se retourne contre moi alors que... Non, c'est lui. Espèce de petit salopard. Putain, Lydia, ce serait bien que tu sois là en fait, là. Impact critique. Merde. Je vais la voir. Attendez une minute. Est-ce qu'il y a les corps là? Attendez, je vais essayer mon sort de réanimation du coup. Merde, j'ai pas assez de magie. Ça fonctionne pas. Je me suis fait niquer. Bon. Il est où? Il est là. Montre-toi, vil fucking. Yes. Je l'ai eu. Bâton de Magnus, farine d'os, or 250, masque de Moroké, régénération de magie 100% plus rapide. Ah ouais. Ah ouais. Il est où? Moroké. Je perds le casque d'écaille, mais ouais, j'ai... Mais ça, c'est cool, ça. Bon. Eh bien, écoutez, on va voir un peu. Qu'avons-nous là? Un coffre. Lèche d'Oemer, crochet or. Et là, qu'avons-nous? Dague de mer, potion de l'escarmoucheur, augmente la compétence armure légère de 10 points pendant 60 secondes. D'accord. Oh! Comment on fait pour... Il y a une porte par là, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bah ouais, hein. Écaille de poisson carnassier. Bon. Alors là, j'ai pas compris. Il doit être dans l'eau, mais non, il a décidé d'aller sur un escalier. Après, bon, c'est comme tout, hein. Dans la vie, il faut savoir monter les marches. Ah, voilà. Bon, c'était pas compliqué, en fait. Or... Armure d'écaille de grand écu augmente la compétence armure légère de 17 points. Non. Flèche de fer, robe d'altération pour apprenti. Wow. Wouf. Wouf. Or 20. Je suis désolé, mes amis.
Je suis terriblement désolé. Je n'avais pas le choix. C'était la seule façon de s'assurer que ce monstre ne s'échapperait jamais. Je vous promets que je ne laisserai pas l'histoire se répéter. Je vais condamner cet endroit. Venez. Où sommes-nous ? Ah, attendez. Putain, c'est beau quand même. Moi, j'aime bien moi ce genre d'effet de lumière et tout là, c'est trop cool. Ah, c'est donc ici, je crois, non ? Qu'est-ce que c'est ? Ainsi, vous avez réussi à vous en sortir. Estormo. Encano avait raison. J'ai peur de devoir vous prendre. Ce n'est pas contre vous. Hors de mon chemin. Pauvre imbécile. Pauvre imbécile. Je vais te tuer. Tu goûteras ma puissance. Voilà, allez, casse-toi. Masse orc, non, ça c'est. Y'a quoi ici? Ah, des Mora Tapinella, oui. Pour la restauration de magie. Pomme verte, on s'en fout. Tatsel, oui. Dîner, c'est pas mal. Y'a rien d'autre? Eh non. Bon, bah on peut y aller. Hop. Y'a rien. Bord de ciel. Bon. Eh bien, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur Skyrim. Et prenez soin de vous. Et ciao tout le monde.